La communauté de brigade de gendarmerie de Saint-Hermine a un nouveau chef. Le major Laurent Baucher a pris officiellement ses fonctions en début de semaine. À la tête de 14 militaires, répartis en deux brigades territoriales, Saint-Hermine et Lermenau, Laurent Baucher a, à 50 ans, une longue carrière de gendarme derrière lui. Il a notamment travaillé comme enquêteur en brigade de recherche et à la cellule d'identification criminelle de Nantes. Il a choisi désormais de commander une COB au contact de la population et des réalités du quotidien, un choix important. Apprendre un commandement, c'est toujours particulier. C'est se mettre au service de ses personnels, parce que commander, c'est servir. Et faire attention à eux, les protéger, et leur demander, eux, de protéger la population. Le commandement, je le conçois comme un service public, et je suis là avant tout au service de la population. Il est désormais à la tête d'un territoire très étendu qui comporte ses particularités. Ah, c'est un territoire rural, avec énormément de lieux à surveiller, des lieux qui sont souvent désertifiés, et il faut être présent partout. C'est la plus grande difficulté. Nous n'avons évidemment pas les mêmes problématiques que les villes, mais évidemment la délinquance se déplace et on a des délinquants aussi qui traversent ou qui sont sur place. Certains, on a aussi des délinquants sur place. À noter par ailleurs que lors de cette cérémonie, deux gendarmes ont été félicités pour leur implication dans la résolution d'une affaire de cambriolage en août dernier.